Alors, bonjour, voici la capsule de ce matin qui est les leçons du lundi, mais on n'est pas lundi, on est mardi parce qu'hier, on a eu une journée de congé à cause de la tempête. Donc, on va écouter l'histoire avec le son B qui fait bu. Mais avant, j'aimerais que tu prennes quelques minutes pour aller lire les mots et regarder les sons qui sont dans la photo que j'ai prise pour toi à la maison. Donc, t'es prêt à écouter l'histoire? On y va. Oups! Ça, c'est pas l'histoire. Ça, c'est la chanson. Attends un peu. On va aller écouter l'histoire. Tout le monde au village des 100 connaît le petit B. C'est un petit garçon très gourmand qui mange toujours beaucoup. À force de trop manger, son ventre est devenu très gros. Souvent, son ventre est tellement plein qu'il a de la difficulté à digérer. Alors, il fait plein de petits rots. Il a tout juste le temps de s'excuser qu'il recommence déjà à faire. Peut-être devrait-il manger un peu moins? Qu'en penses-tu? Regarde l'image. Vois-tu la lettre B qui est cachée dedans? Quand tu verras cette lettre, pense au petit B qui a trop mangé. On va maintenant y aller avec la chanson. Entends-tu, n'entends-tu pas la lettre B? Si tu entends le son P, tape du pied. Embrasser. Banane. Cinéma. Hibou. Bonbon. Bouche. Passe maintenant au son ing, qui est notre deuxième son de la semaine, le son voyelle. Le son ing qui s'écrit in. On va écouter l'histoire. As-tu déjà regardé un jeu questionnaire à la télévision? On pose des questions aux participants et le premier qui appuie sur un bouton a le droit de répondre. S'il a la bonne réponse, il gagne du point. L'autre jour, un petit garçon du village des 100 a participé à un jeu de ce genre à la télévision. Il connaissait toutes les réponses et il était toujours le premier à appuyer sur le bouton. Ça faisait et en même temps, une petite lumière s'allumait. Comment appelle-t-on le bébé de la poule? Entendait-on aussitôt que notre ami appuyait sur le bouton. C'est le poussin. Quel animal de la ferme a les plus longues oreilles? Entendait-on encore. C'est le lapin. C'est lui, bien sûr, qui a gagné la partie. Vois-tu les lettres IN dans le dessin? Quand tu verras ces deux lettres ensemble, rappelle-toi qu'elles font le son comme quand notre ami appuyait sur le bouton. Bon, on va partir la chanson, ça va aller mieux. IMN. J'en ai aussi une autre chanson. On va écouter l'autre chanson. C'est la chanson du son 1. Tapez dans vos mains chaque fois que vous entendrez le son 1. Êtes-vous prêts, les amis? On y va! Bon matin, son voisin, ce petit sage malin, le petit côté, était dans le jardin avec son ami lapin, qui sous un sapin.
Et voilà. Donc, leçon 1, quand on l'entend, il est souvent à la fin des mots. Pas toujours. Ah, à la fin. Ben là, il est au début puis à la fin parce que le mot fin, il y a juste une syllabe. Donc, on va maintenant aller faire notre nos syllabes qui vont avec ça. Alors, je te montre les syllabes qu'on a apprises jusqu'à présent. On va aller ajouter le 1 dans chaque son. Ça va peut-être être un peu petit, mais je vais le laisser comme ça quand même pour qu'on puisse tout faire d'un coup. Alors, avec le M, si je mets le 1, ça va faire... Bravo! Avec le S, si je mets le N, ça va faire 5. Ici, ça ne rentrera plus. Alors, je vais le rapetisser un peu. Et voilà! Et je vais l'ajouter le L avec le 1. Ça va faire quoi? L'in. Bravo. Le D avec le 1, ça fait... Ben, oups, ça ne rentre plus. On va rapetisser. On a appris trop de syllabes. Ça ne rentre plus toutes sur la même ligne. Hein? Ensuite, le CH avec le 1, ça va faire chien. Ça ne fait pas chien, hein? Parce qu'il manque le E pour que ça fasse chien. Avec le T maintenant, T avec 1, ça fait teint. P avec 1, ça fait pain. Et c'est pas comme du pain qu'on mange. Du pain qu'on mange, ça s'écrit pas comme ça, ça prend un A. Du pain comme ça, c'est un pain, c'est une sorte d'arbre. Ensuite, R avec 1, ça fait rein. V avec 1, ça fait vin. Et ça, c'est quelque chose qui est seulement pour les adultes. On va maintenant aller mettre tous les sons voyelles avec notre consonne de la semaine. C'est quoi? C'est le B. Alors, je vais me faire plein de B. Puis, je vais en faire d'autres aussi, même si j'en ai trop, c'est pas grave. Donc, je vais les copier. Voilà. OK. Donc là, j'en ai plein. On va se rapprocher pour mieux voir. Voilà. Et on va commencer avec les voyelles. Alors, la première voyelle. A. Deuxième voyelle. On y va maintenant avec les petites soeurs et je veux que tu le fasses. Elle est avec ta main. Et tout le monde en le fait. Et ensuite, et tu le fais avec ta main aussi. Ensuite, l'autre est. Parfait. On y va maintenant avec nos sons qu'on a appris jusqu'à maintenant, nos sons voyelles. Le premier, c'est quoi? Comment ça s'écrit? Excellent. On continue. Prochain son. Oh, comment ça s'écrit? Super. Prochain son. Ah, comment ça s'écrit? A-M. Et il y a une autre façon, c'est E-M. Voilà. On continue. Ouah, comment ça s'écrit? O-I. Le son qui est tellement magané tout le temps, hein? Vous mettez toujours un « ou » à quelque part. Il n'y a pas de « u ». C'est « o-i » pour faire « wa ». OK, rappelle-toi-en. Ensuite, après « wa ». Et comment il s'écrit? A-i. Parfait. Et le prochain. Et encore, comment il s'écrit? E-i. Parfait. Et le son de cette semaine. Ah, oh, c'est pas tout de suite le son de cette semaine. Là, c'est O, comment il s'écrit? E-A-U, et je vais me remettre un B. Et le son de cette semaine? N, qui s'écrit I-N. Parfait! Hey, ça rentre juste. On va être prêt à faire la lecture de ces syllabes-là. On va commencer ici. Vas-y. Hey, vous êtes tellement bon. Parlez fort, surtout quand vous êtes en arrière, parce que sinon, à la maison, on ne vous entend pas. C'est pas « ben », c'est « ban ». Mais c'est vrai que des fois, c'est « ben ». Parce que des fois, le « en », il fait « un ». Mais nous, qu'est-ce qu'on a appris, c'est que le « en », il fait « un ».
Donc, c'est bon. Parfait. En arrière. Pierre? Et on termine avec toi, Alexis? Ah, j'ai sauté une rangée? Voyons, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai changé de ligne? OK. Fait que, Alexis, quand même, on est rendu à toi. Qu'est-ce que ça fait, Alexis? Ben, bravo, Alexis. On va y aller avec toi, Anne-Sophie. Oui. Et là, on a fait tout le monde? Lucas? Beau. Et tout le monde ensemble, on finit notre ligne. Bu, bi, bé, pas trop vite. Bé, bé, lentement. Bou, bon, ban, ban, bois, bé, bé, beau, ben. Parfait. On va maintenant sortir notre cahier de leçons et notre surligneur pour pouvoir surligner nos mots de dictée. On va y aller maintenant avec les mots de la tâche 10, qui sont les mots que tu dois également écrire dans ton cahier de devoirs cette semaine, en plus de faire une belle phrase. Donc, on va les rapprocher pour mieux les voir. Bon, comme ça. On y va. Alors, le premier mot, c'est quoi? C'est beau. Alors, si tu veux écrire le mot « beau », de quoi tu vas devoir te rappeler que c'est pas sûr que c'est le même? C'est le « e » à « u ». Parce que tu pourrais aussi avoir l'idée d'écrire la lettre « o » ou la lettre « a » « u ». Mais ça va être une faute parce que là, maintenant, tu dois te rappeler que « beau », ça s'écrit avec « e » à « u ». Ensuite, « belle ». Ça, c'est comme le, quand on apprenait le mot « elle ». Il faut que tu te rappelles que « elle », ça s'écrit comme ça. Mais le B, tu vas y penser. As-tu vu qu'il y a plein de B? Il y a un B, 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 un B. C'est parce que c'est le son de la semaine, hein? Il se retrouve beaucoup dans nos mots. Donc, le B, on n'aura jamais besoin de le surligner. Parce qu'il y a un B, il y a juste une façon de faire B et c'est d'écrire la lettre B. Ensuite, on a bon. Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué là-dedans? Non. Bonne. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Les deux N. Tu dois te rappeler que bonne, ça prend deux N. Il ne faut jamais que tu oublies ça. À partir de maintenant, tu dois savoir que le mot bonne, ça s'écrit avec deux N. On continue avec le mot bouche. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Pas du tout. Bou, ça s'écrit de même. Puis che, ça s'écrit de même. Il n'y a pas d'autre façon. Même chose pour bonbon. Bonbon, ça s'écrit comme ça et c'est tout. Bébé, ça s'écrit comme ça et c'est tout. Hey, ça va bien, on a des mots faciles cette semaine. Puis robe, robe. Est-ce que c'est compliqué? Non. Alors, on n'a pas ben, des mots difficiles cette semaine. C'est parfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On les enregistre pour jamais les oublier. Et on s'en rappelle pour toujours. Tu peux ranger ton cahier de leçons. Et voilà, ça met fin à notre capsule. Tout à l'heure, on va faire des lectures, nous, en classe. Toi, tu vas pouvoir les faire à la maison tout seul. Donc, c'est les lectures de la semaine. Je vais te mettre ça dans le courriel pour que tu saches c'est quoi les pages qu'il faut lire. Mais on va se reparler plus tard pour d'autres activités. Finalement, j'ai regardé ça rapidement, là, puis je pense qu'il n'y aura pas d'autres capsules pour aujourd'hui. Par contre, tu vas avoir la lecture à deux à faire, puis quelques exercices. Si jamais il y en a une autre, bien, il y en aura une autre. OK? Fait que je te dis bye-bye!